Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le parcours de la semaine. Il est de retour. Donc, parcours à pied avec un escalier infernal qui arrivera en haut le premier. Bah, comme je suis seul, bah, ce sera moi, hein, forcément. C'est parti, donc 2,60 km. Un parcours que je conseille quand même de faire en collision parce qu'en sans collision, il y a des petits soucis. Donc, voilà. Donc, pourquoi il n'y a pas trop de parcours de la semaine en ce moment? Bah, déjà, d'une part, je joue depuis la sortie du online, donc le 1er octobre 2013. L'éditeur est arrivé vers décembre, il me semble, 2013. Je commence à plus avoir d'idées. Voilà, je me dis de rabâcher un petit peu, d'essayer de faire de nouvelles choses, même si c'est tant que bien pas évident. Donc déjà d'une part, bah, ça, il y a déjà plus d'idées. Deuxième part, ça me gonfle aussi d'un certain point parce que voilà, forcément, si t'as plus d'idées, t'as plus vraiment envie de créer. En tout cas dans la partie de ce qui est course. Après de ce qui est affrontement, etc. Bah, je peux toujours en faire parce que j'en ai très peu fait d'ailleurs. Même si c'est pas vraiment mon point fort. Et cette part là. Et puis la troisième part, j'ai perdu des éléments, donc je ne sais comment. Seulement à cause d'un bug, donc ça m'a gonflé aussi. Mais je viens d'y penser il y a quelques jours. J'avais fait quelques créations. J'avais fait un run and gun il n'y a pas longtemps. Et quelques autres créations modées. Donc ces créations là, bah, je pourrais finalement les copier, les coller en tant que nouvelle créa. Pour avoir accès aux éléments que j'ai déjà mis dans ces créations là, j'aurais pas grand chose, mais je pourrais faire déjà ça avec. Donc malheureusement, bah, pour ce qui est du modé, bah, c'est limité. Avant c'était perdu, maintenant c'est limité parce que j'en avais créé, heureusement. Voilà, donc le parcours de la semaine à pied, c'est parti. Petit tour en JB histoire de séparer un peu les joueurs pour éviter qu'il y ait des blocages que j'ai remarqué hier. Quand on est beaucoup à certains endroits, bah, on peut plus sauter, on peut plus rien faire. Il faut que vous laissez passer les joueurs un par un. C'est pour ça que je vous recommande d'être en collision, du moins vous pourrez pas vous passer à travers. Là j'y mets en sans collision parce que je suis tout seul, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là on est sur le poste de police au sud de Los Santos. C'est plus lequel celui-là. C'est qu'il a un nom. Mais je l'ai pas en tête. Désolé si j'ai un peu la voix grave, c'est que j'ai chopé un violent coup de froid hier en passant le sport. Comme je vous l'ai dit, entre le 25 mars et le 5 avril, je vais être très occupé. Et bah, ça a commencé hier. J'ai pas vu un coup de froid, j'étais pas vraiment bien. Désolé, j'ai un peu de mal à parler aussi. Alors, voilà. Poste de police, j'aurais dû le faire le parcours avec. Ok, merci. Pfff. Me suis éclaté. Il a trébuché, mon joueur. C'est pas la partie la plus simple du parcours, c'est même la partie la plus difficile. Vous avez vu le petit décal que le joueur a fait? Pas mal. Hop, on saute, on s'arrête. On saute. Bah, décidément, il veut pas sauter. Bon, c'est pas grave. Je vois que beaucoup de personnes ont galéré ici. Hein, avec ce saut-là. Là où je suis tombé plusieurs fois déjà. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la distance est égale aux autres. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oh, peut-être limite. Hein. Ouais, c'est limite. Là, faut sauter, sauter. Parce que si vous sautez pas, votre joueur va faire un coup de parachute et va s'écraser en dessous. Ah, ça c'est la logique des courses à pied. Pourquoi avoir mis les trucs à pied, c'est tellement buggé avec une ragdoll, on va dire limite plus horrible que celle de Red Dead. Même si Red Dead Redemption 2, je vais pas vous mentir, le jeu là je l'ai pas touché depuis au moins 2 mois maintenant. C'est un jeu laissé à l'abandon,
malheureusement. Vous savez, ça fait un peu comme The Crew, c'est que ça sort assez tôt et qu'il n'y a rien dedans. Malheureusement, même s'ils font des mises à jour super, ça risque de pas ramener les joueurs forcément. C'est pas le même univers forcément, mais voilà, il y a chacun. Alors. Voilà, bah merci le joueur de bien monter. Là, vous avez deux choix. Bon, bah, tout le monde prend à la droite. Hein. J'ai vu quelqu'un qui s'est trompé qui a pris à gauche. Oh, à gauche, c'est un troll. Hein. Ne dites pas à ceux qui vont faire la course avec vous. Ça pourrait être sympathique. De se faire avoir, de redescendre l'échelle, de remonter sur l'autre. Une petite perte de temps. Hop, on passe par là. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié de lancer. Pour la miniature, c'est magnifique. Heureusement que le point de la miniature se situe à la fin de la course. J'avais tout le temps d'y penser. Hop, oh, jolie la glissade. Hop là, hop là. Aussi, pour la chaîne, on se rapproche vraiment de la fin avec Claire sur Resident Evil 2. Après ceci, il y aura 4 petites aventures avec des personnages différents qui vont être relativement très courts. Donc sur Resident Evil 2, ça devrait être fini d'ici un bon mois, normalement, si j'ai pas de soucis. Ce qui est Need for Speed Rivals, malheureusement, je sais pas quand ça va se terminer, malgré que je prenne beaucoup de temps. Ça, je ne sais pas. Pour ce qui est de God of War, il nous reste un épisode, je vais faire un dernier épisode. Pour ce qui est du dernier épisode, c'est on devait farmer, je devais farmer du moins 50 000, 50 000 avec un nom bizarre, je sais plus trop ce que c'est. On peut farmer quelque chose pour ouvrir tous les coffres, mais je n'ai pas le temps. Je suis même pas retourné depuis que j'ai fait la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la dernière vidéo, on va aller visiter le dernier monde qui est disponible. Et puis après, on verra. Ah bah d'accord, je suis tombé. Voilà, je suis tombé. Mais comme vous l'avez aperçu, j'ai rajouté un point ici. Parce qu'il y a le point n'était pas là. Pour ceux qui ont déjà fait le parcours. C'est vrai que c'était assez frustrant parce que les virages sont pas faciles à négocier. Avec un perso qui est bourré à la nitro, c'est un peu relou. Allez, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et moi, je vais vous montrer quelque chose directement. À paramètres. Commande. Voilà. Regardez mes sensibilités. Je joue tout à fond. Pourquoi? Parce que d'une part, vous pouvez voir très rapidement où vous allez. Et c'est très avantageux, je dis bien très avantageux, sur tout ce qui est affrontement et RNG. Vous pouvez vous retourner super rapidement, faire des roulades et vous retrouver à l'opposé de votre position. S'il y a quelqu'un derrière vous. Voilà, ça vous permet d'enchaîner les kills. Et c'est pour ça que les joueurs RNG en général sont forts parce que déjà d'une part ils ont toutes les sensibilités à fond. Et d'autre part par habitude de tuer les personnes et il faut avoir au moins une bonne connexion pour tuer assez facilement. Parce que quand t'as une mauvaise co, bah les gens en face de toi, ils vont te la mettre. Ou quand c'est l'inverse, quand t'as une bonne connexion, que ceux d'en face n'ont pas une bonne co, bah c'est eux qui te la mettent parce que tu leur vis deux chargeurs dans la tête, bah ils sont toujours pas morts. Mais bon, ça malheureusement, c'est pas encore pour aujourd'hui. Surtout que je viens d'apprendre que ce matin, que l'article 13 qui a été renommé apparemment l'article 10, 13, 17, qui est sur les lois pour Internet, avec YouTube, etc., qui va pas tarder à être voté finalement. Donc d'ici quelques jours, on pourrait se retrouver sans contenu sur YouTube. Du moins les contenus créés par les auteurs de leur propre chaîne pour ce qui est du télévisé, télé-réalité, bah, ce sera pas enlevé parce que voilà, c'est leur contenu à eux. Donc nous, on va être très embêtés. Donc d'ici, ça se trouve, d'ici peut-être une semaine, bah, je pourrai plus rien faire en termes de contenu. Je sais pas trop comment ça va se passer. C'est la crainte à tout le monde, donc on verra bien. J'ai encore oublié d'en relancer l'enregistrement, merci. Donc on est à l'escalier infernal.
Il doit y avoir pas loin de la centaine d'objets posés, je pense. Une centaine de marches à monter. Un peu moins, je pense. Et voilà, qui arrivera en haut le premier. Ça tourne. On peut avoir une belle vue d'ensemble en arrivant tout en haut. Une espèce de tourbillon. Allez, monte, monte, monte. Voilà, vivement la touche carrée, hein, ça spam. Je vais vous montrer un coup. Voilà ce que ça donne. C'est pas beau ça. Magnifique. Alors on va se retourner doucement. C'est là que je tombe. RIP. Ça, c'est même pas la peine. Je vais faire la course, le parcours avec quelqu'un, sauf que cette personne n'est pas disponible aujourd'hui. Encore solo. Bon. Au moins, c'est sûr que c'est du rapide. Et on se dirige vers la ligne d'arrivée. Attention, l'atterrissage. Je suis éclaté, pas mal. J'espère que ce parcours de la semaine vous aura plu. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher le pouce bleu, puis à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Sur ce, je vous retrouve à très bientôt. Je vous souhaite un bon mardi. À la prochaine. Ciao. Losing all my innocence, everybody in my